Est-ce que tu peux payer pour moi? Charlie! Ok, ouais, pour la ride, j'ai payé pour Monsieur Steven. Ah. Parfait. Monsieur Steven, qui est Monsieur Steven? C'est moi! Parfait, Monsieur Bleu, Monsieur Steven, vous pouvez rentrer. Oh, je sais pas ce que j'ai. Hein? Tu m'as oublié. Tout en même temps, wow. C'est en train de me rire ici. Monsieur, j'ai payé. Monsieur voilà, Bleu. Monsieur. Ah, parfait, je vais rentrer. Ok, je te paye un drink à l'intérieur. Je sais pas si vous... J'ai déjà payé à Monsieur Lucius, monsieur. Ah, d'accord. Allez, bon spectacle. Ah, merci. Faites attention, j'ai plus de temps avec moi. Parfait. Que je vous transporte peut-être? Je sais pas. Vous êtes sûr? D'accord. Oh, ça t'est très bon. Ah, je pourrais peut-être acheter ici. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Sinon, je peux prendre ceci, hein. Qu'est-ce que tu veux acheter le. Non, je sais pas. Allez-y, avancez. C'est difficile. J'espère que les gens seront heureux. On va remettre notre plan officiel d'exécution. Et au moins nous pouvons voir la totale beauté, votre totale beauté au monde, monsieur Mionington. Vous êtes une bête magnifique, monsieur Mionington. J'espère que votre voyage en bateau n'a pas été trop souffrant. Vous êtes une merveille, monsieur Mionington. Ça va tout le monde? Ah! Ils sont dans les loges. C'est la moderne. Détruire la surprise. Oui. C'est la seule partie de réconfort que j'ai dans ce monde. On a vu. Bonsoir, excusez.
J'ai trouvé des places de luxe. Qui mènent dans des endroits assez étranges. J'ai trouvé des traces de luxe. Parfait. Oh, hein, on peut s'asseoir en plus. Ah là. Hey, c'était mon idée. Ah ouais, fais-le ton show. Sauf qu'on n'entendra pas un mot parce qu'il faudrait qu'on leur dise de crier. Ah, plus fort! Attirez-vous une bûche, monsieur? Je les tire dessus! Non! Ah, ok! Excuse, j'étais un peu chaud de l'oreille! Oh, ouais! Hé, hey, monsieur Lucius, criez si vous m'entendez! C'est quoi, bataille en bas? On n'entend rien de ça! Ouais, c'est ça. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Pensez tout de même fort à être des amis. La personne la plus recherchée de toutes les comtés. Combien ça vaut une peau de tigre? Je pense à la même affaire que toi. Moi je dis qu'on va backstage et demander nous-mêmes. Avant même que le show commence. Ouais, ils doivent en avoir. Je pense que c'est assez cher une peau de tigre en fait. Ils doivent en avoir de spare au cas où qu'ils perdent le premier. Au moins 4 pièces. Ah mais c'est pas une peau qu'on appelle un peu qui sort des légendes ça. Je sais pas. Ben. Hey, c'est 140$, ça veut dire ça. Hey, faudrait la tuer puis essayer. Hein? Ah ben moi, je m'en vais aux toilettes. Mais non, mais c'est là que t'entends un coup de couteau puis que tu vois le tigre tomber sur le côté. Non, non, mais on a payé pour le spectacle, je veux le voir. Après. Ah ouais, on lance toutes des roches en avant. Petit navire. J'ai lancé ma roche plus loin que toi. Oh, mais là. On essaie de pogner Monsieur Lucius. Ben, j'aurais aimé ça de l'apporter, mais il y a un Charlie qui m'a dit que j'avais pas le temps. Charlie chez moi! Chez moi! Là, c'est de la faute à Charlie. Ben oui. Même hey, Charlie, défends-toi! Je serais supposé être en train de vendre des bonbons, du popcorn,
Du porc au caramel. À la place, tu lances des roches. À la place, je lance des roches. Ah, ouais, je suis vraiment fâché à garder ça. Une roche après l'autre. Bonjour, monsieur Walter. Y'a-t-il quelqu'un qui a des couteaux à lancer? Pis vous, monsieur, est-ce que vos roches vont mieux? Écoutez, y'a un criminel à l'extérieur qui s'appelle Jeff Scott, faites attention. Oh, mais testicule. Non, non, non. Vous avez pas le laisser rentrer? Écoutez, là, je suis arrivé, je le vois directement, et il y avait le shérif à côté de ses Denis qui relaxait à côté de lui, là, sans rien n'était. Ouais! Écoutez, les shérifs sont des fois, ma foi. Il n'y a pas 500$ sur sa tête? Exactement, il y a 500$, donc si vous le trouvez, on vous donne 500$. Mais qui qu'il faut? C'est qui qu'il faut ramasser? Jeff Scott. Il est où? Là, il se promène à cheval, il est habillé en noir, il se promène à l'extérieur, une grosse barbe brune. Oh, je rajoute 100$ si tu le pognes. Je reviens! Vous êtes un chasseur de primes? Bonne chance, monsieur. Ouais, j'espère qu'il est mort au vif, parce que il va être bien calme. Il est mort au vif, il se promène dans l'entour, il y avait un shérif Jenkins à côté de lui, il l'a jamais vu, mais c'est Jeff Scott. J'espère qu'il va être bien calme, mec, je reviens. Oh, on va avoir la paix. Est-ce que tout le monde est bien, ma fille? Oh oui. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, monsieur. Bienvenue à tous et à toutes au plus grand cirque que vous n'avez jamais connu. Et j'ai nommé le cirque de Lucius Edward Perceval Grigsby. Durant cette soirée, vous allez voir des actes qui sortent de l'ordinaire. Des cracheurs de feu, une lanceuse de couteau exceptionnelle, et la chose la plus terrifiante que vous n'aurez jamais vue de votre vie. Je vous prierai de rester assis sur vos sièges. Chaque acte est préparé au millimètre près. Notre premier acte sera en cette soirée un talent que j'ai découvert aux confins de la Roumanie. Celui qu'on surnomme le braveur de danger. Celui qui, selon la légende, est né d'une mère humaine et de l'homme des volcans. J'ai nommé monsieur Séraphin Ullman, le cracheur de feu. Donnez un tonnerre d'applaudissements. Ouais! Wow! Wow! Ben voyons donc. Ben, il va tout faire brûler. Charlie, je vais devoir faire ça avec des seringues. Avec des seringues, peut-être. Oh, il fait chaud. Wow! Ouf, j'ai des sueurs. Attention, moi! T'as failli passer! Bravo! 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 Merci! Bravo. Merci. J'espère que vous n'avez pas trop eu peur pour cette salle qui est complètement ignifuge. Et quoi? Ignifuge, c'est-à-dire qu'il ne craint pas le feu. Ah, ouais. Le deuxième acte
Mais en fait, cette jolie demoiselle et l'un de vous, messieurs, dames, qui sera le plus brave. C'est moi. Ah, vous, vous êtes blessé. Je vous laisse vous introduire, mademoiselle Arquette. Ah, juste la jambe. Il a la permission du médecin d'y aller. Là. Le petit blond en avant, il est super courageux, le petit blond en avant. Quoi? Non, ouais. Mais vous pouvez venir. Est-ce que vous m'aidez à monter? Ben, il faut regarder l'espace entre nous. Je sais, mais j'ai mal à la jambe, j'ai juste besoin d'aide. Eh bien, quelqu'un peut-il l'aider? Ah, ça vient de tirer. Eh bien, merci. Alors, venez ici. Je me présente, je suis lanceuse de groupe, vous n'avez pas à avoir peur, j'ai... Donc attention tout le monde, il y a Jeff Scott qui a ouvert le feu ici, fait que soyez calme et... Et restez alentour là, d'accord, continuez votre spectacle. D'accord. Donc, je vais mettre le bandeau. D'accord, donc je ne vois plus rien. Êtes-vous prêt? Comment il fait pour tenir debout? Ne bougez surtout pas. Oh mon dieu. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va y tomber dessus. Je savais que ça allait arriver, c'est dégueu! Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du spectacle. Monsieur a été averti d'avance. Il est rembourré d'un lit de plume. Apportez-le d'ailleurs. Venez avec moi. Oui, pas de problème. Je savais que ça allait arriver. Non, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Ça fait partie du spectacle, il a été averti d'avance. Ah, d'accord. Il y a une jambe cassée. Va y prendre soin de vie derrière. Et pour le clou du spectacle, voulez-vous l'annoncer ou je l'annonce? Je vous invite à rester bien assis sur vos sièges. J'ai amené directement d'Afrique la plus grosse et la plus terrifiante des bêtes que vous n'aurez jamais connu, le tigre de Bengale. Venez à moi, venez. C'est un mandat de prix d'ailleurs. Oh bonjour, petite fille. Ça c'est 150$, c'est sûr. Vous avez des couilles. Il peut faire des tours autour de moi. Vous êtes capable? Regardez comment il est beau. Je suis sûr que ça ferait beau au-dessus de ma cheminée. Faites peur à ces messieurs. Non. Non. Allez-y. Faites entendre notre rugissement. C'est comme un gros bébé chat. Ouais, mais il est plus gros que toi, le chat. Faudrait peut-être lui donner du poisson. Quelqu'un aimerait le flatter? Oui, je vais lui donner du poisson. Bien, venez si vous voulez le flatter, monsieur Marshall. Tiens, ce poisson. Chaton, viens prendre le poisson. Monsieur Marshall, j'ai l'impression qu'il vous regarde affamé. Écoutez, là, il ne mordra pas, là. Il va te manger, peut-être. Peut-être, ça dépend de ce que tu fais. Charlie, laisse-le. Laisse le Marshall aller, il y a un petit peu plus de viande que toi. Ouais. Il a de l'air gourmand quand même, le Marshall. Monsieur Marshall! Écoutez, c'est un gentil chaton, là. Faites pas votre mouviette. Personne ne mettrait de mouviette. Allez, Marshall! Venez. Allez, Marshall! Faites des tours autour de ce Marshall, monsieur Tigre. Regardez comment il est gentil.
Une chance qu'il vous prend pas pour un jambon. Oh. On n'a même pas pu l'attaquer. Alors, ça vous a plu? Ouais! Bravo, monsieur le marchand, j'aurais jamais été capable de faire ça. Écoutez, disons que j'ai senti qu'il fallait que je saute, là. Hey, c'est la première personne qui prend pas le chal pour un jambon, c'est pas bien. Si il y a d'autres qui veulent venir sur scène, regardez le tigre. Quelqu'un? Ouais, lui, il semble intéressé, lui, là, là-bas, avec le chapeau. Il est à monter? Ne vous inquiétez pas, je parle aux bêtes. Ah, tu... Il va se faire croquer. Non, tu... Non, il fera rien. Toujours. Ah, avec plaisir. Oui, je m'en vais de ce pas. Alors, ça vous a plu, le tigre? Oui, bravo! C'est sûrement la seule fois que vous allez avoir la chance d'en voir un. Alors, je vous laisse avec le tigre pour le tour final. Viens avec moi. Pour ce dernier acte. Merci beaucoup, monsieur Tigre. Vous allez voir devant vos yeux. Et j'ai besoin de l'avis d'un expert. Monsieur Steven, approchez. Dites à la foule. Il n'y a rien sous vos pieds. Vous n'avez aucune j'ai besoin d'un médecin. Aucun artifice. Charlie. Monsieur le médecin, j'ai besoin de vous immédiatement. Je vais aller voir alors. Quel est votre plus grand rêve, monsieur Steven? Un rêve réalisable, quand même. Je ne sais point, là. Non, je veux dire... réalisable et tout public, quand même. Au revoir, te père. Ne voudriez vous pas voir l'espace, monsieur Steven? Quoi? Le ciel. Ah, je peux le voir tous les jours, le ciel. Oui, mais flotter au-dessus des nuages, par exemple. Oui. Eh bien... C'est comme un oiseau. Vous allez... À trop, vous voyez ce manteau magique, n'est-ce pas? Quel celui vous avez sur vous? Oui. Ah oui. Je vous le mets sur vous. Oh. Et à trois, je vais vous projeter. Simplement avec la force de mon esprit jusque dans le ciel. Est-ce que la foule peut compter avec nous? Ouais. Un. Deux. Non. Trois. 13. Est-ce que vous voyez un changement, monsieur Steven?
Je vais s'appeler, je fais pas plus que ça. Il est supposé arriver quoi? Vous êtes investi d'un certain pouvoir, Steven, le sentez-vous? Oui. Et maintenant, vous voyez que vous flottez à quelques centimètres du sol, n'est-ce pas? Oh, mes pieds sont en train de décoller. Eh bien, vous allez décoller tellement vite que personne ne va plus vous voir. Mais vite! Pourquoi c'est tout le temps Steven dans 3, qui participe? Il travaille pour l'autre. Il y a une corde accrochée derrière lui. Absolument. On a découvert. Et oui, mais c'est Steven qui s'est proposé. Mais deux fois, t'as pas remarqué? Alors? Aïe, c'est vrai, hein? Ils l'ont pris sans reproposer la deuxième fois. Envolons-nous ensemble. Regardez les lasso qui descendent. Ah oui, vous voyez. On s'est fait arnaquer, quoi. Steven était de mèche. C'est de l'arnaque. Je suis sûr que le tigre, c'est un costume. Ouais, tire-le, voir cette main qu'il y a derrière. Mais rattrapons-nous. Je suis sûr, Steven, que je suis capable de lire dans vos pensées. Allez-y. Bien que mes pouvoirs ne soient pas Steven aussi magiques que vos paralysités, je suis certain d'être capable de lire dans vos pensées. Montrez-nous le tigre. C'est peut-être pas une bonne idée. 8. Sans me le dire. C'est bon. Est-ce que votre chiffre serait le 66? Comment vous avez su? Eh bien, messieurs, je ne suis pas capable de faire léviter les gens. Mais au moins, gare à vos têtes, parce que je sais lire tous vos actes et toute votre pensée. Maintenant, j'inviterai mes performeurs. Voilà. Le salut. J'espère, honnêtement et sincèrement, que tout cette performance vous a plu et que vous reviendrez bientôt voir le prochain spectacle du cirque Grigsby. Bravo, Simon. Encore. Bravo, Steven. Vous voulez un autre tour, monsieur? Un rappel. On veut voir le tigre manger Steven. Non. Il est déjà assez amoché de même en plus. On veut voir des couteaux. C'est monsieur qui voulait un autre tour. On veut voir des couteaux se lancer. C'est moi. Je veux voir le tigre manger du feu. Ne faites pas ça, Steven, sinon. Encore Steven. Le feu est pris. Mais non, le feu n'est pas pris. Voyons. Tire la queue du tigre, Steven. T'es pas game. Tu sais quoi faire, le tigre. Quand quelqu'un t'arrive comme ça, tu sais quoi faire. Ah merde, il l'a fait.
Il a tiré la queue du tigre. Il est pas content, le tigre. Mais quand même bien, il dit. Jamais un sans deux, jamais un sans deux. Allez, allez. Un rappel, Steven. Un rappel, Steven. Et voilà. Bon. Mademoiselle Arquette. Guidez ces gens derrière. J'ai une idée. Dans le fond, la fille, elle pourrait tirer des couteaux sur Steven qui est assis sur le tigre. Ah oui, elle tire des couteaux, elle. En même temps qu'il tirait la queue. Ouais. Chevauche le tigre! 8 secondes. Chevauche le tigre! Les couteaux à travers le feu, ce serait pas mal. Ah, regarde, c'est pas un humain derrière, force, c'est un arnaque! Oh, la boule de feu! Steven essaie d'attraper la boule de feu! Oh. Je vais éteindre le feu! C'est bon! Ouais! Mais félicitations à vous tous, c'est un très bon spectacle. Très 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 bon. Merci beaucoup. Et la prochaine séance, bravo. C'est quand? Lorsque les gens sortiront de la salle, monsieur. Ouais. Pardon. La prochaine séance sera... probablement dans un mois ou deux, le temps que mon équipe se réunisse. Ah. T'es fumeur de crack, je te dis. Ah, mais félicitations. Félicitations. Cher artisan. Merci, monsieur Lucius. Merci à vous.